Coucou mes petits chéris, j'espère que vous allez tous très très bien. Écoutez, ici ça va, ma grippe rhume commence à s'estomper. Et surtout, j'avais vu que c'était une belle journée aujourd'hui. Eh bien, c'est pour moi une très belle journée. Regardez. Regardez qui est venu pour 10-15 ans à la maison. Un petit chien, donc pour le moment c'est petit chien, mais qui est hyper calme. Il n'a même pas 8 mois, vraiment du bonheur. Hein. Vous le verrez sûrement souvent dans les vidéos. Voilà, il n'a juste besoin d'un bon toilettage et voilà, ça, il va être parfait. Pensez bien que Cathy est hyper contente. Hein. Depuis 1 an et demi que j'attends le petit chien, ça y est. Voilà, allez, on va regarder les énergies. Demain, nous sommes le mercredi 6 décembre. Bien ici la carte. Et c'est le dialogue. On va parler. Il va avoir. Alors, pour ceux qui connaissent les nombres 33 ou 6, 3 plus 3, voilà, vous pouvez faire le. Allez voir, pardon, à quoi ça correspond. Voilà. Bon, dans tous les cas, il va avoir du dialogue à la maison. Et c'est parfait. C'est avec le dialogue qu'on peut construire quelque chose. J'ai eu 2 cartes. Donc, je ne sais pas. Alors, attendez. Laquelle qu'il faut que je lise en premier? Guérir les blessures du passé. C'est peut-être par la discussion, par le dialogue, il y aura peut-être quelque chose du passé que vous allez enfermer, clore le chapitre une bonne fois pour toutes. Et l'autre, c'est reposez-vous. Le reposez-vous, moi je l'entends par à partir du moment où vous aurez guéri les blessures du passé, vous allez pouvoir vous reposer, ça ne va plus vous travailler. Alors là, on a le nouveau cycle. Ben oui, évidemment, puisque on est en train de guérir du passé, là, on peut souffler à nouveau, c'est un nouveau cycle complètement. Wow, j'adore quand c'est. Ah, puis derrière, stabilité. Ah, pardon, instabilité. Ah, ça va vous bousculer un petit peu? Ah, c'est possible, hein? Signe céleste, encore. Ben oui, vous aurez peut-être encore un petit signe de quelque chose là qui est. Il est magnifique ce papillon. Magnifique. Derrière, il y a changement d'alimentation. Ah, il va falloir faire un peu attention. Ouais, il faut dire que c'est des mois difficiles. Hein. Je parle pour moi, puisque c'était mon anniversaire aussi. Donc, il y a toujours des. Il y a eu beaucoup d'anniversaires chez nous tout autour. Donc, on fait un peu plus. Voilà, on mange plus, on boit plus. Bon, bref, mais les signes, ça va être sur le passé, sur. Voilà. Suppression. Et regardez voir. Mais j'adore quand c'est tout. On pourrait croire que je l'ai choisi. Je vous assure que non. Hein. Suppression des obstacles et des blocages. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Waouh. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Oh, waouh. Ben oui, l'abondance est arrivée chez moi déjà. Bon ben voilà, si vous aviez des problèmes familiaux, si vous aviez quelques soucis, voilà, vous êtes vraiment encore et toujours sur le bon chemin et du coup. Vous êtes en train de vous réparer complètement. Ça va. Vous fermez des portes qui étaient dérangeantes, mais vous avez bien travaillé. Donc, c'est tout bon pour vous. Vous aurez un petit signe. On va sûrement vous envoyer un c'est OK. Mais là, voilà. Suppression des obstacles et des blocages. Trop bien. Vous aurez sûrement le bon dialogue. Voilà. Et puis, du coup, ça y est, ça va être un nouveau cycle pour vous.
vous allez avancer sur une nouvelle voie. Maintenant que vous êtes bien dégagé, c'est tout bon. Voilà. Allez, je vais vous faire des gros, gros câlins. Je vais m'occuper de petits chiens qui, pour le moment, n'a pas de nom. Un nom d'un peintre que je ne connais pas. Alors, c'est tout. Et c'est trop compliqué. Je vais, à moins que ça reste petit chien, hein. Pourquoi pas? Tiens, ça serait marrant. Donnez-moi des idées de noms pour petits chiens, là. Allez, à tout bientôt. Je vous serre fort dans mes bras.